Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmi, c'est Akma pour la CAI. En fait, nouvelle qui sortit dans Washington fait qu'on est que l'administration Trump, là où on a parlé là, mobiliser plusieurs centaines National Guard pour venir protéger et ça de monuments et au niveau de Washington. Ça vous comprendre, c'est que au cours de semaine, là, il y a un mouvement cap fait là et lit tout côté c'est renverser chavirer capoter tout monument tout symbole qui représentait eh bien quand confédérés qui c'était d'après l'histoire et state qui était justement en faveur eh bien l'esclavage là-bas ici il y a un pile mouvement cap qui dans sens ça qui visait à renverser yo. Et yo nous rappelons nous semaine qui s'est passée là. C'est un groupe de monde qui a justement essayé capoter jeter statue Andrew Jackson. Ça qui était justement soulevé colère la cause de Donald Trump à un certain moment de la durée. Même tout journaliste candidat a dit au météo dehors. Donald Trump nous songeait les événements ça a voyé un tweet et tweet ça et Twitter était obligé de mettre un avertissement à la donne parce que la donne et Donald Trump dit que et moun yo ap genye, il dit pa gen a fait autonome zone. Gon baka k'ap pale là dans Washington DC. Ça les zones autonomes, c'est des zones côté que communauté di yo même yo pa tellement besoin police yo capable gérer tête yo. Pour kont yo, et Donald Trump dit si protestè ap derrière mettez sous pied autonome zone, eh bien yo pral faire face avec de sérieuses forces. OK? Le Twitter te dit li mette une notice sous bagay ça parce qu'elle violait politique yo contre d'arrêler abusive behavior il a dit des comportements abusifs spécifiquement présence de menaces ou bien présence de fait qu'on capable nuit d'un groupe que on identifié et dans kan ap pale assez des groupes moun qui fait ça d'arrêler d'espace autonome autonome zone qui pas nécessairement des groupes de violence. Et monsieur te dit que moun sa yo ap gen pour faire face avec de sérieuses forces. Maintenant, ça qui passe et pour jodi a, mais National Guard, eh bien, yo voye de, comment bien ça voye a? Yo voye à peu près, non, on n'a pas la voye 100, mais yo dit qu'il arrive n'importe 400 jusqu'à 4 juillet. Yo prend le soin pour yo dit que moun sa que vous voyez yo pas mettre zam parce qu'il paraît l'aide. OK, bon pas tellement pas à la vérité pas tellement gagné. Yon urgence vraiment vrai. Non pour ta voye National Guard. Bon, comprendre bien Donald Trump besoin faire politique li parce qu'il toujours dit c'est président law and order. Donc c'est ça que fait vous rentrer après c'est vrai c'est là. Eh bien, et des troupes National Guard débarquer dans Washington DC et justement pour capable contrôler différents monuments qui sont là. Nous avons un ministre des Affaires étrangères là, qui c'est David Bernard. Et depuis la semaine, lundi matin, il était quand on fait demande ça. Et parce que dit raison, c'est parce que les gens qui ont protesté, ils target statut et ils dit d'autres bagailles historiques pendant la démonstration. Ça et Pentagone confirmé, gain à peu près 400 Washington DC Guard members qui gantan activé et yon en stand-by. 400 qui activé et yon stand-by et yon dans yon voye 100 toujours yon voye al voye l'autre. Et depuis activation ça, yon beaucoup dispatch yon bien entendu. Ok? Mais yon était sous stand-by. C'est ça que yon fait qu'on est. Et yon dit que yon pral bote support avec parc, police et qui monument pour préventer, pour empêcher, pour être capable de destruction. Comment nous avons parlé là? On a parlé de National Guard qui mobilisait pour Park. Vous comprenez? Donc, on demande, est-ce qu'effectivement, il y a une certaine urgence? Et, mais en fait, monsieur, je voulais noter pour nous que National Guard member, yo pas gen zam et il a servi, en fait, il a précisé pour nous qu'il n'y a pas mis d'armes dans les mains, mais qu'il a servi comme une sorte de signal qui pour décourager et Mounio et
et tenter renverser monument ça. Et j'en connais là et lundi a effectivement il était derrière basculé chapeauté statue Andrew Jackson et dans la Fayette tout près collé avec White House et gagné il passé en fait gagné des côtés on mettait plusieurs marqueurs des phrases vous comprenez qui allait à l'encontre de monde qui raciste et à l'encontre de l'administration Trump en tout donc Donald Trump qui dit lui-même il va en bas comme ça c'est président order il va quitter que pays ça aller dans anarchie ouais ça donc il va correspondre avec yo et fond dit tout gagné Lincoln Memorial qui yo même tout bien avant ça yo t'ai écrit plusieurs bagages sous lui pendant protestation qui t'a fait mardi et en face Washington émancipation mémorial là une démonstration t'est annoncée en fait et grande démonstration qui a annoncé et pour demain jeudi a et on dit objectif yo pas bay menti on me dit c'est jeter mémorial statue Abraham Lincoln OK donc c'est ça que on dit y a fait donc yo même yo dit yo mettez objectif yo que président Donald Trump voye avertissement pour dire que depuis yo jwenn n'importe moun k'ap vandaliser monument fédéral property moun sa capable arrêter et il capable prendre jusqu'à 10 ans prison d'après loi fédérale. OK? D'ici délégué on met en entente annoncé gain des mesures formelles qu'a prend contre émancipation mémorial là et pral gain un projet de loi là que yo pral voter pour être capable et déplacer bon par contre là est-ce que Donald Trump pas font bagaille parce que yo dit yo pral prendre des lois pour déplacer li pour yo mettre le nom museum. Et c'est là peut-être Donald Trump pas le fâché parce que ça vous comprendre la cause là. C'est vrai que le président mais l'autre est dans la ville de Washington eh bien il va gagner tout pouvoir. OK? Gon bon bagage qu'il pas qu'à faire pour nous la différence. Donc yo pral passer loi pour yo ta retirer justement et retirer monument ça ça qui pral piquer collé justement et ça qui pourrait aiguiser la couleur de Donald Trump. Et donc yo dit que statut ça tout li pas montrer notre côté que esclave africain yo te bataille pour propre émancipation. OK, donc yo gagné plusieurs complaintes contre statut ça. Donc yo même jeudi yo dit on va prendre la rue et Donald Trump cap mobiliser troupes li pour le faire face carré est-ce que va gagner l'autre erreur encore bien entendu yo prend le soin yo dit on va mettre zam dans main troupes yo parce que t'ai gagné un mistake qui t'ai fait dernièrement et Donald Trump t'ai en pile staff li t'ai dans les petits souliers Donald Trump après t'ai vinn dit que il va te faire ceci ou pas de vos esprits alors que tout le monde t'ai constaté que yo t'ai use pepper spray force nous songe ça lorsque des manifestations pacifiques qui t'a fait dans la Fayette n'a utilisé pepper spray bâton vidé sous mon yo pour que Donald Trump t'a fait en photo avec bib et nous songe à la suite de bagage ça bon général qui dit yo même yo regrette yo était là yo pas dans bagage ça parce que yo dit que US Army est supposé utiliser pas ta supposé utiliser à l'intérieur du pays c'est des bagages qui t'a utilisé dans des cas d'extrême urgence. C'est sous ça qu'il était campé. Donc en pile là-dedans, on dit plus jamais, bah ça pas fait encore. En tout cas, ouais, nèg yo prend le soin pour que troupes ça yo pour pas mettre zam. Non mais yo pour dans le sens que pour pas venir gagner un affrontement entre des troupes armées et la population civile. Bien entendu, continue à ce qui gagne entre US Army et National Guard. Vous comprenez qui est pas même nécessairement pas même causé, OK? Donc voilà guys, débuté update ça pour vous. Et pas oublier pour toujours être connecté avec nous. Et les toutes dernières informations n'a pas pour vous. Bye bye tout le monde.